Oyez, 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 brave, adorable téléspectateur du dimanche, voici l'école des fans. Avec des petits garçons méritoires et des parents qui le sont encore davantage. Car lorsqu'un enfant chante, mon Dieu que c'est agréable, mais lorsqu'un enfant apprend un instrument de musique, il faut bien avouer que les premiers mois, voire même les premières années, peuvent porter sur les nerfs. Moi-même, qui dans mon jeune temps, ai vécu avec une flûtiste, 2 heures d'exercice d'instrument, tududou, 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 vous appelle immanquablement à balancer la confiture au plafond, à projeter votre assiette de purée contre les murs. Non, c'est vrai, c'est dur d'apprendre un instrument et c'est d'autant plus méritoire pour les enfants aussi qui dérobent un peu sur leur temps de récréation pour apprendre la musique. Or, ces petits garçons, je voudrais qu'on les applaudisse beaucoup plus fort. Car ils ont fait un immense effort, et cet effort, ils l'ont fait par respect. Pour qui? Pour le public. Il y a des gens qui arrivent sur scène, qui n'ont rien appris, qui chantent faux, qui balbutient. Eh bien, eux, qui ne sont pas bien grands, bonsoir, eh bien, ils ont travaillé des heures et des heures pour vous. On ne pense jamais que c'est pour les autres qu'on fait ce métier. Alors, voici mes enfants. Le premier petit trompettiste que nous recevons aujourd'hui s'appelle Corentin. Quel joli prénom de s'appeler Corentin. Quelle bonne idée ont eu tes parents. À côté de Corentin, ce jeune lord anglais, il n'y a pas d'autre mot, s'appelle Pierre Damien. Ce prince, si j'étais Stéphanie de Monaco, c'est toi que j'épouserais. Tu as déjà le costume du prince. Ce jeune prince, mesdames, messieurs, n'est autre que l'archiduc Jean Daniel. Ce sourire que lui a donné son père et sa mère, ses yeux malicieux, ce garçon s'appelle Denis et c'est un beau prénom. Moi, je suis assez content parce que on a eu toute une génération d'enfants qui portaient des prénoms un peu stupides. Brighton, Bryce, Bryce. L'influence déplorable, détestable de la télévision. Et là, je vois reparaître, c'est pas par chauvinisme, mais des prénoms que j'aime bien. Là. Des prénoms français. Brice. Et français, Brice. Je dis des bêtises. Tu me rappelles un acteur américain, mais je sais pas lequel. Et en plus, que j'admire beaucoup. Mais quand le nombre reviendra, je te dirai qui. Et puis voilà des musiciens. Psychologiquement, c'est le même âge. Hein? Mais il y a les rides en plus, il y a... Voilà, le petit, je vous le présente, monsieur, puisqu'on peut dire que c'est le dimanche du Havre. On dit, il est né au Havre. Il est du Havre. Et puis, je vous demande d'observer la tête du pianiste, parce que vous avez remarqué que je bavarde un peu aujourd'hui. C'est uniquement pour l'emmerder. Mais vous savez comment? Parce qu'il m'a dit, avant que le rideau ne se lève, « Grouille-toi, j'ai un avion à prendre, il a un gala. » Et tout le jeu consiste à ce que moi, je fasse traîner l'émission pour qu'il ne l'ait pas son avion. Non, tu l'auras. Pino Latouka. Alors, pour faire une école des fans, il faut une vedette. Dieu le vilain, non. Il faut un artiste, tout simplement. Et cet artiste-là, je le connais bien. Ça fait des années que je le connais, je connais son professeur. Son professeur, ses camarades disent, c'est un artiste, un grand artiste. En plus, c'est un garçon charmant et modeste, bien sûr, mais c'est une des grandes trompettes du monde. Et il s'appelle Guy Touvron. Et je suis sûr qu'au Havre, il trouverait de l'engagement. Monsieur Guy Touvron. Tu enseignes? J'enseigne au CNR de Paris depuis le mois de septembre dernier et avant j'étais au Conservatoire de Lyon. Le Conservatoire de Lyon qu'on est obligé de quitter en cours de carrière parce qu'on mange trop bien.
finalement. Oui, non, mais c'est très dangereux pour un trompettiste. On vient à Paris pour faire la régie. Voilà. Il est au Conservatoire National. Et outre cela, c'est un véritable, un authentique grand musicien qui a un avantage. Il joue de la trompette, donc il fait le tour du monde sans être trop embêté. Hein. Quelquefois, la trompette reste un peu dans certains aéroports. Oui, quand on boit, mais... voilà, Guy, va t'asseoir à côté des élèves. Bonjour à tous. Voilà, c'est pas truqué, il n'y a pas d'élèves qui sont à toi, là. Ah, non, non. Très bien. Ce sont des élèves de confrères. Alors, nous allons procéder comme nous le faisons chaque dimanche, en commençant, ça c'est étonnant, par le premier. Corentin, c'est à toi, mon garçon, viens au centre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la trompette ? C'est la cinquième année. Ah ben, c'est bien, ça. Et comment ça t'est venu, cette idée de faire de la trompette ? Un jour, j'étais au hall, à une fête de la musique, et quand je suis arrivé devant des cuivres, et puis, ils étaient en train de replier bagages, et puis comme ils ont vu que j'avais l'air déçu, ils ont ressorti pour moi. Ah, ça, c'est superbe, ça. Ah, c'est superbe. Alors, l'orchestre allait partir et voyant ta déception, ça c'est bien alors. Alors, tu as décidé d'apprendre la trompette. Oui. Alors, où tu es ? En ce moment, je suis à l'Empire. Non, mais oui, je sais bien que tu es à l'Empire. Bien qu'on n'en soit jamais tout à fait sûr. Mais tu es à quel conservatoire, à quelle école ? En ce moment, je suis à Villebon. Où ? À Villebon. Villebon. Tu connais Villebon ? Non. Ben, tu vois. C'est près de Paris, non ? C'est près de Paris, c'est ça ? Villemomble ? Villebon. Ah, Villebon ! Oui, c'est près de Paris, ça. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui joue de la trompette ? Non. Et d'un instrument ? Oui. Qui ? Ben, il y a mon parrain et puis il y a sa femme. Ils sont là ? Ouais, il est juste là. Fais voir, ouais. Où il est, le parrain ? Remue un peu. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il joue, ton parrain ? Du piano. Tu joues du piano, toi. Et... Non, non, on part pas, on a besoin de toi, vieux. Non, non. Non, 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 il faut... Hey, on choisit ou la télévision ou le plaisir. Tu prends bien ton temps pour jouer, hein, mon petit. Hein, si tu veux, bien lentement. Ton papa, qu'est-ce qu'il fait ? Mon papa, il est cadre commercial. Très bien, cadre commercial, ça. Et maman ? Elle garde des enfants. Mais elle garde les siens ou ceux des autres ? Les deux. Ah, les deux, bah dis donc, ça c'est une sainte. Où elle est, cette sainte ? C'est vous, madame, qui gardez non seulement vos enfants, mais ceux des autres. Madame, soyez-en remerciée. Ça, c'est du boulot de garder les enfants. Combien vous êtes de frères et de sœurs ? Moi, j'ai deux grandes sœurs. Tu les as pas amenées ? Je pense que l'autre est là, mais il y en a une. Ah, là, super. Elle a quel âge ? 15 ans. Je crois qu'elle a 15 ans. Elle a 15 ans ? Faudra qu'on la fasse, hein, cette école des grandes sœurs, hein. Tu veux en faire ton métier plus tard ? Non. Ah bon ? Tu fais ça pour le plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Luthier. Dans les trompettes. Luthier dans les trompettes, ça existe ? Ah oui, il y a des fabriques de trompettes en France et à l'étranger, en particulier Selmer et Courtois. Ah bah tu parles Selmer. Il ira travailler chez eux, je pense. Je vais c'est te très dire, Selmer, c'est une grande boîte. Hein. C'est une très très grande marque. Oui, il y en a d'autres aussi. Donc tu fabriqueras des trompettes ? Oui. Ah ouais, c'est un métier formidable, ça. On a besoin de trompettes. Qu'est-ce que tu joues, là ? Qu'est-ce que je joue ? Poli. 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 Song and dance. C'est en anglais. Bah, tu y vas. Presse pas. Thank you.
Alors là, non, franchement, on peut applaudir. Là. Bravo. Bien là. Super. Ouais, ouais. Super. Ça, c'est... Non, non, mais viens, 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 dis-leur, dis-leur, dis-leur. Non, franchement, vous, Wav, qui avez l'habitude des trompettes. Il a une maîtrise extraordinaire de son instrument. Quel âge as-tu ? Ouais, j'ai 11 ans. C'est fantastique. Vraiment, je suis tout à fait renversé. Le même âge qu'Aznavour. Non, c'est formidable. Alors, je vais te dire un truc. Non seulement tu fabriqueras des trompettes, mais moi, je te conseille de continuer. Mais absolument. Moi, je pense que je vais continuer parallèlement. Ouais, parallèlement, tu fais le conservatoire, bah, tu trouveras tout bien sûr. Qui est un grand de la trompette et puis un gentil professeur. Regardez là. Mais moi, je t'accueille au CNR de Paris quand tu veux. Hein. Vraiment, tu peux venir quand et ben tu voilà. veux. Et ben voilà. C'est un sacré parrain, ça. Ce qui fait très plaisir. Ce qui fait très plaisir, c'est que déjà à 11 ans, il chante dans sa trompette. Oui, j'ai entendu qu'il chante. C'est une trompette très mélodieuse, très mélodique, c'est formidable. Et il est vrai, en plus, le pianiste, tu as vu, il presse le pianiste. Ah, je ne sais pas ce qu'il a cette semaine. Pourquoi tu joues si vite, toi? Tu as une préoccupation? Tu n'es pas heureux sur ce plateau? Il va perdre un pognon fou. On applaudit très très fort. Bravo. Ce garçon formidable. Et on lui met une note. On met une note. Allez, assieds-toi. Assieds-toi et on l'applaudit très fort. Bravo. Quelle génération. Mon second candidat est Monsieur Pierre Damien. Viens. On l'applaudit très fort. Est-ce que dans ta famille, on t'appelle Pierrot ? Oui, des fois. Des fois. Tu aimes mieux qu'on t'appelle Pierre Damien ou Pierrot ? Pierre Damien. Pierre Damien. Eh oui, c'est joli. Tu sais qui c'était, Damien ? Non. Ta maîtresse n'a pas dit qui c'était, Damien ? Non. Eh bien, écoute, dis à ta maîtresse de te raconter l'histoire de Damien. C'est un homme qui avait donné un petit coup de canif à Louis XV, mais qui l'a payé chèrement. Demande à ta maîtresse de te raconter ça. Quel âge tu as, Damien ? 9 ans. Tu fais beaucoup plus grand. Tu habites Paris ? J'habite à Hermont. À Hermont, c'est près de Paris, ça, Hermont. Ouais, oui, il n'y a pas besoin de... À Hermont, quand on habite Hermont, on peut partir à n'importe quelle heure. Hein ? Pas besoin de prendre l'avion pour aller à Hermont. Comment ça t'est venu, l'idée de jouer de la trompette ? Bah, c'est parce qu'il y avait un copain à Franck, là-bas. Qui c'est, Franck, là-bas ? C'est lui qui a levé la main, là. Oui, j'ai vu, Franck. Salut, ça va, Franck ? Sacré Franck. Il joue de la trompette, Franck ? Non, il fait de la batterie. Ah, tu fais de la batterie, Franck ? Ouais, d'accord. Et... C'est un de ses copains qui m'a donné l'idée de jouer de la trompette. Eh ben, c'est une bonne idée. Tes parents sont là ? Oui. Où ils sont ? Ils sont là. Oh, c'est ton frangin qui est là ? Oui. Comment il s'appelle ? Marc-Antoine. Ça va, Marc-Antoine ? C'est les prénoms composés, hein ? Marc-Antoine, charpentier. Damien, qu'est-ce qu'il fait, papa ? Il est informaticien. Ouh là là, je fais une grosse tête pour faire ça. Ah non, c'est dur, ouh là là ! Moi, je vois déjà avec le Minitel, je me trompe, alors. Faut dire que j'ai renversé du thé et de la confiture dessus. Et maman ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait... C'est honnête, ce qu'elle fait. Comment elle s'appelle ? Marie-Christine. Marie-Christine, qu'est-ce que tu fais ? Non, parce qu'on va, il faut aller aux sources. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Christine ? Comptable. Tu m'as poussé, toi. Tu fais comptable ? Elle fait comptable, ta maman. C'est-à-dire qu'elle a dit... Oui. Comment il s'appelle, ton petit frère ? Marc-Antoine. Il va faire de la musique aussi ? Je sais pas. Toi aussi, t'as une trompette ? T'aurais dû l'amener. Est-ce que tu veux en faire ton métier quand tu seras grand ? Je sais pas. Écoute, mon garçon, ça fait combien de temps que tu fais de la trompette ? Un an. Un an, ça te plaît ? Oui. Il y a des filles qui font de la trompette ? Bon... Il y en a dans ta classe qui font de la trompette, des filles ? Non. Des fois, on en a eu, hein ? Comme Alexandre est venu la dernière fois. Et il y en a même qui sont professionnels, hein, qui sont trompettes solo d'orchestre. Ça, c'est dingue, hein, parce que c'est au départ, c'était pas un instrument réservé aux dames. Hein. Mais oui, mais on s'aperçoit que même les physiques agréables peuvent également sortir des jolis sons. Eh oui, ça, c'est... La femme est complète, on a beau dire. Qu'est-ce que tu joues, mon grand ? Que reste-t-il de nos amours ? Oh.
Tu vas jouer ça, mon grand, tu m'écoutes bien. C'est une très belle chanson, tu la joues bien lentement. Hein. Que reste-t-il de nos amours? De Charles Trenet, bien sûr. Il a joué quand même. T'es un vrai pro. Ouais, vachement fort. Allez. Alors, regarde que je montre à tes parents. Pourquoi c'est un vrai professionnel? Parce qu'il aurait pu se plaindre, dire je peux pas jouer. Regarde les pistons. Il remonte pas. Vous voyez? Eh bien, il a quand même joué juste. Et avec beaucoup de talent. Moi, je suis sûr que tu garderas ta trompette toute ta vie, franchement. Bien sûr. Et puis, pour un an de trompette seulement, c'est formidable. Un an de trompette. Un an de trompette, c'est très, très bien. Parce que, si vous voulez faire la comparaison, regardez, un an de trompette, c'est bien 25 ans de piano. Et il joue toujours trop nerveux, hein. Allez. On donne une très bonne note à ce garçon, comme on le ferait au conservatoire. Voilà. Notre troisième candidat, mesdames et messieurs, s'est mis sur son trentin. Je dis bien trentin, parce que les Français disent se mettre sur son 31, mais l'expression est lyonnaise, c'est se mettre sur son trentin. Trentin, c'était le tissu de soie le plus finement tissé, 31. Il y avait 30 fils de soie pour un fil de coton, enfin, je ne sais pas. C'est, et tu t'es mis sur ton 31. L'esprit de contradiction. Lève-toi, mon grand. Je vous présente Jean Daniel. Jean Daniel, regarde-moi. Est-ce que les filles tombent comme des mouches quand tu les regardes? Non. Me dis pas que les filles ne sont pas sensibles à ton physique. Non. Non. Tu fais pas attention? Ben non. Tu fais pas attention aux filles? Non. Essaye, c'est marrant. Il est modeste. Mais il est modeste. Il est très modeste. Et puis cette génération est toute innocente. La nôtre était pervertie. Nous, on jouait au docteur à pas 6 ans. Si, si. Moi, j'ai des enfants de son âge. J'en ai un aussi qui fait pas de musique, hélas. Quel âge tu as? 11 ans. 11 ans. Tu as des frères et des sœurs? Oui, une sœur. Quel âge? 14 ans. Elle est là? Oui. Voilà. Où elle est, la sœur de 14 ans? Bonsoir. Bonjour, elle est ravissante, ta sœur. Et à côté, c'est papa. Oui. Ça, il a vos yeux, hein? Non, on ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il est professeur de sciences physiques. Eh ben voilà. Ça, c'est un vrai et beau métier. Où exerce-t-il? Dans quelle ville habitez-vous? Autun. Autun. Le centre de la France, et il y a à Autun un musée préhistorique, hein, du temps des Gaulois, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a un musée, c'est une ville très importante, Autun. Tu es venu avec qui, en somme? Avec mon professeur, monsieur Avi, mon père et ma sœur.
Très bien, ben, soyez les bienvenus ici. Merci d'avoir fait le voyage. Ce n'est pas courant de venir d'Autun, parce que je vous garantis, il faut déjà rejoindre les grandes routes. Hein. Donc c'est un effort méritoire. Est-ce que ça fait combien de temps que tu as appris la trompette? 5 ans. 5 ans, ça te plaît? Oui. Tu veux en faire ton métier? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu joues sans partition? Oui. Alors je supprime le pupitre. Ça, c'est plus difficile parce qu'il faut une mémoire. Et vous voyez, le pianiste, lui, a une partition. Bon, qu'est-ce que tu joues? Au Pays Limousin avec ma sœur. Au Pays Limousin avec ma sœur? Oui. Il faut peut-être qu'elle vienne sur scène. Est-ce que ta sœur est pianiste? Oui. Comment elle s'appelle? Céline. Oh, bah, je connais bien. Allez, viens, Céline. Viens, viens, j'ai... Céline, viens. Au Pays Limousin, voilà, Céline, quel plaisir. Donnez le bras. Eh bien, non, 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 ça m'embête de te demander ça, mais j'aimerais que tu restes derrière Céline pour tourner les pages, mon grand, hein? Voilà. Il y a... Non, non, mais dis pas qu'il n'y a pas de page à tourner, voilà. Il y a quelqu'un qui a un horaire d'affrance, là? Tu prends bien ton temps, c'est ta sœur qui t'accompagne. Vous ne jouez de rien, monsieur. Un peu de physique, non? Allez, vas-y. Si, si, il nous épate. Parce que ce n'est pas évident. Il faut avoir énormément de respiration, il faut bloquer son souffle, il y a une colonne d'air. Et c'est un instrument avec lequel on peut commettre les pires, hein, les pires choses si on ne le maîtrise pas. Et quand on ajoute la mémoire en plus et tout ça, c'est formidable. Bon, eh bien écoute, je te souhaite une longue vie avec ta trompette. Et puis je vais te combiner un truc. Vous ne me donneriez pas une invitation pour le Festival du Havre? Hein, vous ne m'arrangeriez pas ça? Ils ne pourraient pas venir les petits au Havre? Vous avez vu comment... Eh bien, je fais la même chose avec les ministres pour ma Légion d'honneur et ça ne marche pas. Bon, on va donner une très bonne note à ce garçon. C'est vraiment remarquable. Et puis, bravo pour la musique. Hein, on est gagnants à tous les coups. Bravo, fais-en ton métier, crois-moi. Et bravo aussi à la jeune pianiste. Bravo, mademoiselle. Voilà. C'est bien. Très, très bien. Moi, je suis vraiment ravi. Parce qu'en plus, tu sais...
C'est pas tous les dimanches comme ça. Il y a toute une génération montante de jeunes trompettistes. Ouais. Je pense que c'est Maurice André qui a donné le goût et l'amour de la trompette à beaucoup de jeunes. Et maintenant, il y a une génération qui monte. Moi, j'adore Maurice André. Et qui nous fait une grande concurrence. Hein, je l'aime, Maurice André, parce qu'il fait les andouillettes grillées au feu de bois. Vous n'avez pas idée. Non, ne dis pas le contraire. Mais absolument. Et à propos, Maurice, si tu veux, parce que je vais dîner chez lui dans 15 jours, tu envoies le plan, parce que je me perds toutes les fois. C'est vrai. Il habite la campagne et moi, dès que j'ai quitté le bitume. Alors, c'est bien, Jean-Daniel. C'est vraiment bien. C'est quelque chose, c'est un plus dans la vie et tu verras, tu le regretteras jamais. Denis, c'est à toi. Et on applaudit Denis. Oh ! Attends ! Attends, pas tout en même temps. Oh ! Merci, tu es gentil. Et c'est un Lyonnais, tu es Lyonnais ? Oui. J'ai reconnu. Oh là là, fils de Lyonnais. J'ai bien fait de parler d'andouillette, moi, tiens. Non ! Non, non, c'est mauvais pour les gens qui vont prendre l'avion. À toi. Denis, mesdames, messieurs, qui est le plus grand ? Non. Le plus carré ? Peut-être. Ah oui, non, ça, bah dis donc, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait du truc, là, voilà. Quel âge ça te fait ? 9 ans et demi. Ah non, oui, là. Attendez, on devrait repérer le père, il doit dépasser. Où il est, ton papa ? Ah !